Qu'est-ce que vous dites de cette décision? Ouais. Personne n'est content. Pourquoi? Même les Américains, parce qu'il paraît qu'ils voudraient qu'on aille encore plus loin dans les OGM. Ben, si les Américains disent que c'est une forme de protection que l'Europe est en train de mettre en place, nous nous regrettons que ce soit Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui? C'est une nouvelle forme de subsidiarité. Ça veut dire qu'un État membre en Europe, prenons l'exemple de l'Allemagne par exemple, ou de l'Espagne, pourrait autoriser certains OGM, alors que la France les considérait comme interdits. Tout ça n'est pas tenable. Nous sommes en Europe, nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché unique, il faut des règles communes. Mais alors, en Europe. Vous êtes...